à tous. Je vais souhaiter la bienvenue à Supélec pour ce moment traditionnel, important dans la vie de notre collègue. Merci par votre présence d'être venu manifester votre amitié. Merci par votre présence d'être venu manifester votre intérêt et votre soutien à Supélec. Et puis merci également par votre présence de manifester votre intérêt et votre engagement sur le projet central Supélec. Nous allons donc procéder par une suite d'interventions. Le premier orateur sera M. Laurent Tardif, le président de l'association Supélec. Ensuite, Robert Leloup, qui est le président du comité de direction de Supélec. Ensuite, nous aurons un petit interprète que les élèves de Supélec ont pu réserver à Alain. Alain, c'est tout pour ensuite. J'aurai le plaisir également de dire quelques mots, et puis cette cérémonie se terminera par une intervention de M. Jean-Richard Sitterman, directeur adjoint du cabinet de Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mme Fioraso, dans ses murs jeudi, avec le Premier ministre qui a prononcé un discours sur sa vision très agréable et très intéressante du projet Saclay. Mme Fioraso m'a dit qu'elle malheureusement elle était retenue, c'est donc Jean-Richard Sitterman qui prononcera la dernière intervention. Et sans plus tarder, je passe la parole à Laurent Tardif, président de l'association Supélec. Monsieur le directeur du cabinet, représentant Madame la ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. En tant que président de l'association Supélec, qui est en quelque sorte le conseil de surveillance de l'école, j'ai l'honneur d'intervenir en premier. Et à l'occasion de cette cérémonie de passation de pouvoir à la direction de l'école supérieure d'électricité dite Supélec. C'est pour nous tous, monsieur le directeur de cabinet, un très grand honneur de vous recevoir sur l'un de nos trois campus pour célébrer officiellement la prise de fonction d'Hervé Biosser qui succède à Alain Bravo. Supélec se place parmi les toutes premières grandes écoles d'ingénieurs en France. Son enseignement fait la référence dans le domaine des sciences de l'information, de l'énergie et des systèmes. Elle se situe donc pleinement, monsieur le directeur de cabinet, dans le champ des activités du ministère que vous représentez, et votre présence aujourd'hui est un signe de l'importance que revêt la formation de haut niveau, notamment dans les technologies de pointe, pour permettre aux entreprises françaises d'avancer dans la compétition internationale. Supélec est né il y a plus d'un siècle d'un formidable effort du monde industriel, représenté alors par la Société internationale des électriciens, aujourd'hui S2E. Durant près de 120 ans, industriels et pouvoirs publics ont su, ensemble, assurer le développement de l'école en s'adaptant en permanence aux évolutions technologiques et économiques. Et en offrant un enseignement et une recherche de très haute qualité, il n'est pas étonnant que nombre d'ingénieurs sortis de ces rangs deviennent aujourd'hui de grands capitaines de l'industrie au service du développement industriel du pays. Supélec est ainsi aujourd'hui une véritable entreprise, écosystème de plusieurs milliers de personnes, personnel d'encadrement, administratif, enseignants, chercheurs et élèves, qui s'appuie sur une politique de partenariat avec les milieux industriels, comme avec ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur. Supélec a également su se doter d'une stratégie à long terme, au travers de la Fondation Supélec, qui s'est fixée pour objet d'accompagner le développement à long terme de l'école et de promouvoir son rayonnement à l'international. Depuis plusieurs années, Centrale Paris et Supélec ont réfléchi à un rapprochement afin de devenir leur point fort. Les enjeux sont clairs. La taille, l'international, la renommée des diplômes, l'ambition du projet Paris-Saclay, les étroites relations avec les industriels et l'excellence en termes de formation et d'enseignement. Ce projet est entré maintenant dans sa vraie phase opérationnelle. Alain Bravo a su diriger Supélec avec brio depuis 2004 dans un environnement où les grandes écoles ont été comme les entreprises soumises aux nouveaux défis de la concurrence. Ensemble avec Hervé Biosser, ils ont su faire naître cette formidable opportunité, rapprochement central Supélec, qui marquera l'histoire de notre école. Hervé Biosser, qui dirige l'école centrale Paris depuis 1995, dirigera désormais également Supélec. Je suis certain que son enthousiasme
et ses compétences reconnues par tous nous permettront de mener à bien ce projet. Projet extrêmement ambitieux, qui, j'en suis sûr, sera pour lui le résultat de sa carrière en termes de réussite. Il peut être certain que notre communauté des Supélecs, l'association, le comité directeur, l'amicale des anciens et la fondation seront à ses côtés tout au long du mandat. C'est dans ce contexte que je vous remercie, monsieur le directeur de cabinet, d'avoir accepté de présider cette étape importante dans la vie de notre école. Votre présence montre l'intérêt que le pouvoir public attache à cette nouvelle forme de compétition internationale. Je vous remercie. Monsieur le directeur de cabinet, représentant madame la ministre, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, cette cérémonie est bien sûr consacrée à la passation des pouvoirs entre Alain Bravo et Hervé Biocel. Elle revêt malgré tout un caractère particulier, tant la personnalité d'Alain Bravo aura marqué la vie de Supélec. D'abord une question, qui ne connaît pas Alain Bravo? Peu de monde, dirais-vous. Tant est étonnant son carnet d'adresse, son tissu de relations et le mystère de ses réseaux étendus lui donnent la capacité à soulever des montagnes ou à faire prendre des décisions inattendues. Et en même temps, j'ai envie de vous poser une question. Qui connaît Alain Bravo? Peu de monde, en réalité. En ce qui me concerne, j'avais fait sa connaissance il y a quelques années, car comme dirigeant à l'EDF et ancien Supélec, il voulait me rencontrer. Je l'avais croisé une autre fois lors d'une soutenance de thèse. En fait, sa réputation remarquable avait le don à la fois de le précéder et de le suivre. Ainsi, quand en 2010, il me fut donné l'occasion de devenir président du comité de direction de Supélec, j'ai accepté cette charge et cet honneur en sachant que l'école était en de bonnes mains. Notre collaboration se fit instantanément, à la fois fluide et rassurante, du moins pour moi, sans fioriture et allant à l'essentiel. C'est de ce que j'ai compris, ce qu'a connu mon prédécesseur comme président du comité de direction, Robert Malheur. Deux fois de suite, quelles que soient les qualités d'un Robert puis l'autre, le mérite en revient sans nul doute et en premier lieu au directeur général, à Alain Bravo. Alain Bravo a été nommé directeur général de Supélec le 1er septembre 2004. Et il aura quitté ses fonctions le 31 août 2013. Pendant ses 9 ans, tout juste, comme un grand professionnel, n'aura compté que l'action au service de l'école, de ses élèves, de son personnel enseignant et ses chercheurs, et de son administration et des industriels qui nous accompagnent. Il faudrait dire d'abord, sans être exhaustif, quelques actions majeures menées par Alain Bravo durant ses 9 années de direction générale à la tête de Supélec. La formation des élèves a été internationalisée avec l'ouverture d'une voie en anglais. L'obligation pour les élèves de passer un semestre à l'international et l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers présents à l'école. Alain Bravo a mené à bien l'élargissement du nombre de diplômes proposés. Habilitation à délivrer le diplôme de master, accord de double diplôme avec le SCP-EAP et accord de double diplôme bilatéral avec le SCP Europe, alliance stratégique avec Centrale, Paris aboutissant d'abord à la mutualisation des options de troisième année et à la création de l'option commune énergie. Création d'une voie par apprentissage, première promotion d'apprenti, accord de double diplôme avec Paris 11 et conjointement, là encore, avec Centrale Paris. Et enfin, première promotion de docteur Supélec. On pourrait citer également l'augmentation du nombre annuel d'ingénieurs diplômés, environ 480 aujourd'hui. En matière de recherche, Supélec aura été présent partout où il fallait l'être, grâce à Alain, dans les pôles de compétitivité, les RTR, alors rapprochez-vous, hein, les presses, les IDEX, les LADEX, les EDIPEC, les IRT, j'arrive. Et cela souvent multiplié par 3 campus. Alain Bravo aura été l'architecte de la future université Paris-Saclay en fédérant 23 acteurs autour du projet d'un campus du plateau de Saclay. Il l'a présenté en février 2009 en tant que président de la Fondation de la coopération scientifique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'école.
il a été l'artisan convaincu et moteur de l'alliance stratégique avec Saint-Pantin, dont l'aboutissement devrait voir dans quelques mois la création d'une centrale supérieure. Alain, le rapport que la Cour des comptes vient de publier après plus d'un an d'enquête est le meilleur hommage de la République et du Taureau. Il faudrait dire aussi, et ensuite, qu'Alain Bravo a beaucoup de qualités. Permettez-moi de vous livrer quelques révélations à son sujet. On ne vous étonnera pas. D'abord, des qualités de chef et de détermination. Sa simplicité, sa solidité ont été appréciées. Elles vont de pair avec une ténacité et une volonté incroyable de faire avancer ce qu'il veut. Parfois, en passant outre de façon délibérée quelques avis, mais en douceur et en prenant le temps avec son fameux « on verra ». Ensuite, un management exigeant, certes pour les autres, mais aussi et surtout pour lui-même. Nous connaissons tous sa vitesse d'analyse d'un problème, sa capacité incroyable de synthétiser, d'aller à l'essentiel et la prise de décision qui s'ensuit. Les problèmes rencontrés sont ainsi très rapidement accompagnés d'une proposition de solution. Toujours partant pour un nouveau défi, un nouveau challenge, avec un enthousiasme intact. Fervent adepte des procédures, si l'honneur ou les principes de supérieur sont menacés. Un trait enfin, qui aura beaucoup marqué ses collaborateurs. Alain demande à ses collaborateurs de faire le canard. C'est-à-dire, avoir l'air calme, posé sur la surface de l'eau, et sous la surface, de pédaler comme des fous. C'est aussi un management respectueux. Le personnel pense à sa courtoisie, ça m'a été apporté à sa personnalité, qui vient toujours le saluer. Alain Bravo, en fait, a toujours du temps. Vous lui trouvez la recette pour allonger le temps. A signaler une petite coquetterie, avoir la météo des trois campus dans l'entrée de GIF. Vous pourrez aller vérifier. Il faudrait dire enfin qu'Alain Bravo s'est toujours montré amoureux des sciences et techniques. Sa nomination comme délégué général à l'Académie des technologies nous le rappelle, à la fois visionnaire et réaliste, ouvert sur le monde, à l'écoute de ses partenaires industriels, interlocuteur respectueux et respecté des tutelles, et très pragmatiquement un excellent gestionnaire. Merci de notre part à tous, Alain, pour tout ce que tu as apporté à Supélec. Il m'a été dit que tu partages certaines de ses qualités avec ton prédécesseur, Jean-Jacques Duby. De ce fait, dans la continuité, cela passe la barre très haut pour ton successeur, pour Hervé. Par arrêté de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur proposition du comité de direction et de l'Assemblée générale de l'école, sur avis conforme de Monsieur le ministre du Redressement productif et de Monsieur le ministre de la Défense, Hervé Biosser a été nommé directeur général de Supélec à compter du 1er septembre 2013. Le parcours professionnel d'Hervé Biosser plaide pour ses réussites futures à la direction de l'école. Ingénieur de l'École Centrale Paris, promotion 73, Hervé a commencé sa carrière comme ingénieur au fourneau en 1977, puis ingénieur à l'Institut de recherche de la sidérurgie française, c'était le centre de recherche du GINOM. Puis retour à Centrale Paris pour une carrière féconde, commençant comme professeur de sciences générales et industrielles de 1995 à 2001, tout en étant responsable de l'option de troisième année sciences et génie des matériaux, et directeur du laboratoire d'élaboration des matériaux, et ça jusqu'en 2001. Puis de 2001 à 2003, directeur général de Centrale Recherche SA, filiale de valorisation de la recherche et de formation continue du groupe École Centrale Paris, tout en étant, sur la même période, directeur de la recherche et directeur de l'école doctorale de l'École Centrale Paris. Enfin, depuis septembre 2003, Hervé Biosser est directeur de l'École Centrale Paris, fonction qui continuera à assurer son mandat venant d'être brillamment renouvelé. Je ne citerai pas les nombreuses représentations d'Hervé Biosser comme administrateur, vice-président, président dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y en a une, en revanche, qui m'est chère. Hervé Biosser a été membre du comité de direction de Supélec pendant toutes ces dernières années.
C'est une des richesses et des forces de notre école. Mettre à sa tête les talents d'où qu'ils viennent, pourvu qu'ils nous aident à faire progresser l'école dans toutes ses dimensions, qualité de la formation académique tout au long de la vie, qualité de la recherche, dimension internationale, notoriété, satisfaction des élèves et des employeurs, et enfin, de saine gestion. Depuis quelques semaines, Hervé, tu es donc devenu le premier défenseur des intérêts de Supélec. Je témoigne de ton investissement pour réussir dans tes nouvelles fonctions, au point où je me demande si tu commenceras à en rêver la nuit. Et nous ne serons pas surpris que d'ici peu tu illustres tes propos de nombreux exemples venus de Supélec. Tu as devant toi de magnifiques challenges pour Supélec, bien sûr, et aussi pour créer demain un superbe établissement, un grand établissement central Supélec. Ton enthousiasme sera communicatif. Comme on dit, à toi de préparer l'élite dont notre pays, dont l'Europe et dont le monde ont besoin pour relever les défis du 21e siècle. Bonne chance, Hervé. Le comité de direction de l'association Supélec, la fondation Supélec et l'amicale des anciens ont confiance en toi et ne te compteront pas leur soutien. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je commence en. Je disais à M. le maire que j'allais m'inspirer des traditions de Gilles Solbet. J'ai découvert pas plus tard que vendredi soir à l'inauguration de la fête de la science. Mesdames et messieurs, en vos titres, fonctions et qualités. Je me permets de faire l'économie. Comme il se dit notamment en péri de Gilles Sourillette, c'est avec le plus grand plaisir que je prends la parole ce soir dans cet amphi jamais, du nom du directeur de l'École supérieure d'électricité, 8 mois après sa création, pour 42 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez la lithographie de la fée d'électricité du puits, lui tout seul fait 3 panneaux. En 119 ans d'existence, la passation de pouvoir de ce soir est la 10e. Et de par sa faible fréquence, c'est déjà un moment important pour l'école. Mais au-delà de ce rappel, la cérémonie de ce soir marque un moment transformant de son histoire sur le chemin de la création du grand établissement central Supélec. Et cette transformation, vous tous ici présents, directement ou indirectement, en avez été les acteurs ou les promoteurs, et je veux en rendre témoignage. Tout d'abord, une école d'ingénieurs se doit d'être en communication permanente avec les élèves et les entreprises et de se mettre à leur service. Alors, je veux dire que vous ne m'attendez pas à ce que vous venez de me faire. Et j'ai donc écrit, c'est pourquoi je suis sensible à la présence du bureau des élèves et de représentants de leurs associations et clubs actifs. Alors, j'ai cité quelques activités au titre de Bouge la science, d'ouverture sociale, de femmes ingénieurs, d'ingénieurs sans frontières. Vous avez été plus content que moi, donc j'ai écrit sans vouloir épuiser par ces quelques exemples l'éventail des initiatives qui sont prises au sein de l'école. C'est tout autant pourquoi je suis sensible à la présence de nombreux partenaires industriels, membres du programme d'enseignement et de recherche en coopération avec l'industrie et les services Bercy. Et à travers les élèves et à travers les industriels, je tiens à rendre hommage aux instances de l'école dans lesquelles vous siégez. Assemblée générale, comité de direction, conseil de gestion, conseil scientifique, conseil de coopération industrielle et conseil d'admission et des diplômes. Plus personnellement, je veux témoigner mon respect et mes remerciements
aux deux présidents de l'association Supélec, André Merlin et Laurent Tardif, et aux deux présidents du comité de direction, Robert Mahler et Robert Blum, avec lesquels j'ai travaillé. J'ai bien conscience que l'énumération que je viens de faire des instances peut vous donner une image d'une gouvernance de Supélec assez particulière. Mais l'école revendique d'être particulière. Il y a 9 ans, à ma place, il y avait Jean-Jacques Duby. Et Jean-Jacques Duby démontrait que Supélec était en fait un modèle de PPP. Bien garder ça en tête, partenariat public-privé. Et vous-même, monsieur le directeur de cabinet, plusieurs fois, vous m'avez interrogé sur le fait de savoir si l'école était la plus privée des écoles publiques ou la plus publique des écoles privées. Pour ce qui me concerne, aguerri par le nombre de contrôles publics et privés que l'école a eu à connaître au cours de mes 9 années, je confirme que l'école interpelle, en précisant qu'elle interpelle notamment parce qu'elle est particulièrement performante grâce à la culture de ses personnels. Cette culture est une culture de rigueur, de travail, d'authenticité, d'efficacité, de réactivité et un fort esprit de communauté. En ce moment où la transformation du statut d'école est à l'ordre du jour, je tiens à exprimer au personnel mon estime et ma confiance. Dans la culture Supélec, il y a également le goût de l'action. Tout le monde à Supélec sait que Paul Janet a dit en 1910, en introduisant son cours, ce que nous voulons réaliser ici, c'est la science mise au service de l'action, ou l'action secondée par les idées scientifiques. Tous les anciens élèves, l'association des Supélec, la fondation Supélec, par leurs représentants ce soir, peuvent confirmer que cette valeur est enseignée à l'école et impulse ensuite toute leur vie professionnelle. L'authenticité que j'ai citée est de pratiquer soi-même ce que l'on enseigne, et l'évolution 2005-2013 de l'enseignement supérieur et de la recherche a donné à ce principe d'action un sens tout particulier qui m'a fait écrire dans l'avant-propos du rapport d'activité 2006, une année en avant, calme et droit, aux avant-postes dans un contexte très ouvert. Alors je regarde à la tête d'un certain nombre de l'équipe de direction, je ne cacherai pas qu'une déclaration aussi candide m'a valu quelques remarques en interne. Mais je me plais à considérer que c'est cette dynamique qui me donne le plaisir de saluer ce soir de nombreux responsables de pôles de compétitivité, de RTRA, de fondations de coopération scientifique Campus Paris-Saclay et bientôt Université Paris-Saclay, d'IRT, à la fondation desquelles Supélec a contribué. Au titre du plateau de Saclay, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai simplement mis mes pas dans la trace de 2 de mes prédécesseurs qui avaient pris déjà fait et cause pour ce projet. André Blanc-Lapierre, en 1978, qui disait déjà qu'il fallait faire l'aménagement du plateau, et Jean-Jacques Duby, en 1999, avec l'Institut du plateau de Saclay. De la même manière, j'ai considéré que l'existence d'une école, un diplôme 3 campus, est un atout formidable pour développer des relations diversifiées avec les collectivités locales de Gif-sur-Dette, de Metz et de Rennes, ainsi qu'avec leurs écosystèmes d'enseignement supérieur et de recherche.
félicite avec Hervé d'avoir pu constituer un quatuor extrêmement créatif et solidaire avec l'Université Paris-Sud. J'ai vu que Jacques Guy Coiraz et Jacques Bitoun, et puis l'ENS Cachan. Alors j'en ai signé, et je sais que Pierre-Paul Zadou n'est pas là, mais également avec Raymond, le président de Guy Coiraz. Et avec l'Université de Lorraine, même là, j'ai un peu perdu les marques. Depuis qu'ils ont rapproché les Messes sur l'historique. Mais donc, j'appréciais et j'ai beaucoup apprécié cette capacité qu'a eu l'école. Le contexte très ouvert de la période 2005-2013 nécessitait par ailleurs aussi une réflexion collégiale de tous les établissements concernés. Et la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs, la CDFI, la conférence des grandes écoles, la CGE, y ont joué un rôle indispensable, auquel je suis fier d'avoir participé, rôle qui est loin d'être terminé, et je salue les présidents des conférences présents ce soir. La présence de vous tous, responsables de ces institutions, nous honore, et je vous en sais vivement gré. En toile de fond du contexte que j'évoque, les défis à relever ne sont autres que ceux de la compétitivité, de l'internationalisation, de l'innovation et de la révolution numérique de plus en plus à l'échelle du monde. Se lancer seul dans une telle aventure aurait été pire que de la présomption. Et c'est une idée qui n'a jamais traversé mon esprit. Car avant de prendre mes fonctions, j'avais lu le livre publié sous le mandat de Bernard Pissin-Bonneau. On ne le voit plus. Voilà. Que, à l'école, on a entendu citer quelquefois. 1894-1994, 100 ans d'histoire de l'école supérieure d'électricité. De son premier chapitre, retenez bien le titre du premier chapitre, « Une école pour la seconde industrialisation », j'avais en effet retenu la création de l'ESE, l'École supérieure d'électricité, s'explique également par le refus de voir se constituer un corps d'état d'ingénieurs électriciens, le lien particulier qui s'établit dès le départ avec l'école centrale paraît donc normal. Et ce lien normal en 1895 l'était tout autant en 2004, lorsque Hervé Dossert et moi-même, nous deux, puis avec nos équipes, avons commencé à imaginer l'avenir. Le travail avec l'équipe de direction de Central Park, la coopération des présidents, au sein du comité de convergence, la participation croisée des directeurs, pour ma part dans le conseil d'administration de Centrale Paris, et pour la part d'Hervé dans le comité de direction du Supélec, la collaboration dans Time, alors Time ça veut dire Top Industrial Managers for Europe, et c'est l'association qui, 52 associations universités technologiques et écoles en Europe et également en Asie et au Brésil. Donc tous ces éléments ont tous conforté le projet de rapprochement puis de création d'un grand établissement à parité. Je tiens ici à vous exprimer, à vous, chers amis et collègues de Centrale Paris, au premier rang desquels Daniel Rizou, président du conseil d'administration de Central Paris, tout le plaisir que j'ai à partager avec eux un véritable affectio societatis pour notre projet. Il me paraît
de plus naturel de vous associer, monsieur le directeur de cabinet, et votre ministère, le MESR, à cette volonté commune et de vous dire ma reconnaissance pour votre accompagnement constant et irremplaçable. J'ai donc l'intime conviction de la capacité de Centrale Supélec à réaliser sous la direction Hervé une épopée Centrale Supélec pour la quatrième industrialisation, semblable à celle qui a fait d'une association SL et d'une société Cidor le leader mondial dans son domaine, et Cidor. Cela commence par ta nomination simultanée comme directeur de Centrale Paris et comme directeur général de Supélec. Je te remercie très profondément pour avoir accepté cette grande tâche et je te passe la parole. Merci. Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Maire, cher Alain, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Directeurs, chers collègues et chers amis. Depuis le 1er septembre, j'ai la joie et le plaisir d'être le directeur général de Supélec, avec pour formidable mission de conduire un projet unique qui n'a pas de précédent en France et qui va marquer durablement le paysage de la Supélec supérieure. Construire Centrale Supélec. Je mesure l'honneur et le tutelle de notre comité de direction et notre assemblée générale. Le font en me chargeant de cette mission essentielle de notre avenir, et je mesure tout autant l'ampleur de cette responsabilité. Soyez assurés que dès à présent, je l'exerce pleinement, je l'assume complètement, que je m'engage totalement, et que je le fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Fierté d'abord de succéder, tu l'as dit Alain, aux 11 directeurs qui ont œuvré au développement du Supélec, avec pour mission, depuis la création de cette école en 1894, de former des ingénieurs experts et transverses. Fierté, mais également émotion, de succéder à Alain Brun, mon compagnon de route dans cette magnifique aventure, avec qui nous avons rêvé et construit ce grand projet Centrale Supélec. Fierté, mais surtout reconnaissance envers toi, mon cher Alain, pour avoir si bien conduit Supélec au cours des 9 dernières années. Je ne redétaillerai pas ce qu'a dit Robert, qui est très exact, mais je voudrais quand même citer quelques projets qui m'ont marqué. Le premier, c'est que tu as inscrit Supélec au cœur du projet de Saint-Germain. Le deuxième, c'est que tu as redressé, beaucoup l'ont oublié, une situation financière de Supélec qui était préoccupante en 2003, quand tu es devenu directeur. Tu as engagé avec succès un plan de développement fondé sur le modèle économique propre à Supélec et qui a eu pour conséquence d'augmenter très significativement le nombre de diplômés de cette école sur tous les diplômes. Et puis tu as construit l'essor de la recherche de Supélec, du développement de son expérience et du développement de la formation doctorale. Je souhaite donc, mon cher Alain, te rendre un hommage appuyé et te dire que nous savons tous ce que notre école te. Je veux notamment tenir ma fierté d'avoir construit et partagé avec toi une même vision fondée sur des anticipations communes des évolutions d'enseignement supérieur et de recherche en France et dans le monde, et de son environnement pour prendre en compte toutes les évolutions que nous connaissons, et en particulier la mondialisation de l'enseignement supérieur et de recherche et toutes ses conséquences en termes d'enjeux de marque et de concurrence, la nécessaire coopération des grandes écoles et des universités, et pour citer un dernier exemple, l'émergence foudroyante et irrésistible des technologies d'information et de communication appliquées à l'enseignement. Vision fondée également sur notre volonté farouche d'exercer dans toutes ces dimensions notre mission de service public. Et puis, l'ambition stratégique d'un avenir commun au service de nos élèves et au bénéfice de nos entreprises. Fierté enfin d'avoir passé avec toi à l'action, en construisant progressivement, année après année, le projet central Supélec, grâce auquel j'ai pu découvrir Supélec, et qui me vaut aujourd'hui d'en être le directeur général.
car il faut rappeler ici que cette aventure a commencé il y a longtemps. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de raconter notre première rencontre en novembre 2004 à Bruxelles. C'était à l'occasion de l'anniversaire du 1500e diplômé du réseau Time. Nous en sommes à 3500. Et ce soir-là, nous avions devisé notamment sur les relations avec l'université et l'international. J'ai envie de rappeler tout ce que tu as fait dans l'année à suivre. Et dès cette première rencontre, je peux vous garantir, nous savions, certes d'une façon diffuse, mais nous savons que c'est ensemble qu'allait s'écrire l'histoire de nos deux institutions. Ainsi, dès 2005, nous avons signé un accord cadre de coopération portant notamment sur les domaines de la recherche et de relations industrielles. En 2006, nous avons créé le groupement d'intérêt scientifique C3S, Centrale supérieure des sciences des systèmes, avec le CNRS. Et, côté enseignement, nous avons ouvert nos majeures et options, puisque ce qu'on appelle option à centrale s'appelle majeure à supérieure réciproquement, nos majeures et nos options de troisième année aux étudiants des deux années. En 2007, les collaborations se sont significativement accrues. Statut de membre fondateur du Presse Universum de l'entité centrale par les UPL, confirmant notre volonté de travailler avec les universités, initiation de la création de ce qui sera le Collège des sciences de l'ingénierie des systèmes avec Manès de Cachan et l'Université Paris-Sud, élaboration de la réponse en tant que membre du Presse Universum de l'appel à proposition de l'opération campus du plateau de Sachs. En 2008, alors que si je vois de mémoire tu étais président de la Fondation de coopération scientifique dans un environnement que je qualifierais compliqué, l'école centrale et Supélec continuent et nous annonçons le 26 novembre 2008 notre alliance stratégique. Désormais, depuis cette date, tous les grands projets sont examinés ensemble et chaque projet commun est l'occasion de rapprochement des deux structures, voire de création de structures communes. La période 2009-2012 est donc marquée par de nombreuses initiatives communes dans tous les domaines de nos deux écoles, aboutissant notamment, je ne citerai pas tout, à la création en 2009 d'une nouvelle structure, la structure juridique commune GIE Centrale Supélec, la création commune de deux chaires d'excellence et de chaires d'enseignement et de recherche, la première, il y en a, je crois, six maintenant, Sciences des systèmes et défis énergétiques est décidée en 2009 avec EDF, ou la création en 2010 d'un programme de double diplôme avec l'Université Paris 11, centrale et supérieure. C'est aussi l'époque, tu l'as signalé Alain, où tu deviens administrateur de centrale et où je rentre au comité de direction de Supélec, où j'apprendrai beaucoup sur cette école. Le 13 décembre 2011, l'école centrale et Supélec affirment clairement leur volonté de construire l'avenir ensemble en créant une marque commune, centrale Supélec, à l'occasion du premier forum. Forum d'entreprise commun organisé par l'UDL que je tiens à remercier, le forum désormais célèbre Centrale Supélec, qui est, je crois, le forum d'entreprise étudiante le plus développé de notre public. Le dernier épisode essentiel est en 2012, la décision du MESR, qui depuis le début, je veux le rappeler, soutient ce projet, d'opérer le rapprochement de Supélec et de Centrale par la création d'un EPSI de nouveau grand établissement sous la marque Centrale Supélec, établissement qui sera porteur d'un contrat quinquennal 2015-2019 unique et un contrat qui présentera les orientations politiques et les choix stratégiques de la nouvelle institution. Tout ceci n'a bien sûr été possible qu'en développant progressivement une relation de plus en plus confiante avec, je le répète, le ministère d'enseignement supérieur de la recherche, le ministère de l'Enseignement productif, le ministère de la Défense, et toutes les instances du gouvernement de Supélec, l'Assemblée générale, le comité d'élection, l'amical et la fondation. Et toutes ont manifesté et continuent de manifester leur soutien et leur enthousiasme à ce projet. Alors, je ne peux malheureusement citer toutes ces personnes qui, au sein de Supélec ou à l'extérieur, ont travaillé et continuent de travailler avec nous, mais je tiens à les en remercier chaleureusement. Comment va s'écrire l'avenir ? Il va s'écrire dans le cadre d'une grande ambition. Pour être fidèle à notre vocation, à la mission que nous ont donnée nos fondateurs et à l'histoire de nos deux écoles, nous voulons devenir, au sein de l'Université de Paris-Saclay, dont nous serons résolument l'un des bâtisseurs, loyal et engagé, et dont nous sommes plus que jamais l'un des acteurs majeurs, et sur nos trois campus,
central rejoindra Supélec en 2017, Rennes et Metz. Devenir donc une institution de référence à l'échelle mondiale pour la formation d'ingénieurs, la formation doctorale, la formation continue et la recherche en sciences de l'ingénierie et des systèmes, incluant les sciences et technologies de l'information, de l'énergie et de la communication et les sciences d'entreprise. La conviction absolue, c'est qu'en créant Centrale Supélec, nous nous donnons les moyens de réaliser cette grande ambition. Parce que Centrale Supélec nous permettra de mener des projets ambitieux que nous ne pouvons réaliser qu'ensemble et qui garantiront notre avenir. La stratégie pour y parvenir est claire. Elle a été validée par le conseil d'administration de Centrale et par le comité de direction de Supélec. Et mes premières semaines d'immersion à Supélec me confortent dans l'idée que la réalisation de cette ambition commune et la mise en œuvre de notre stratégie sont parfaitement réalisables. Je ne saurais presque dire qu'elles sont à portée de main. Et que nous avons donc tout le potentiel pour y parvenir. Je rencontre en effet depuis maintenant un mois et demi, sur les trois campus, les équipes d'enseignement et de recherche et les personnels techniques et administratifs de Supélec. Je tiens à les remercier tous de leur excellent accueil et je mesure à chaque fois leurs compétences et les performances qu'ils réalisent dans leur domaine respectif. Et le très bon déroulement de la rentrée de 2013 n'est à cet égard pas la moindre de mes satisfactions. Mais pour y parvenir, les défis ne manquent pas. Celui du modèle économique de Supélec, qui arrive à embuter dans un contexte économique aujourd'hui très contraint, et toutes les difficultés liées au regroupement inédit de deux écoles d'ingénieurs, l'une publique et l'autre privée, et en particulier les difficultés liées au transfert des personnels de Supélec dans un nouvel établissement public, qui soulève beaucoup d'inquiétudes de ces personnels, que je comprends. Et dont j'ai la conviction, tirée de mon expérience du secteur public, qu'elles ne sont pas fondées et qu'ensemble, au travers des instances représentatives du personnel, nous saurons les lever. Face à ces défis, le soutien et surtout l'engagement de tous sont nécessaires pour réussir. Les tutelles, bien sûr. Et je veux à nouveau remercier M. le directeur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous-même pour votre engagement personnel dans le développement de ce projet et celui de vos services mobilisés à nos côtés pour construire Centrale Supélec. J'ai eu l'occasion de le dire à la ministre jeudi dernier, au cadre de la visite du Premier ministre à Supélec, mais je serais heureux que vous le redisiez. Mais aussi les diverses communautés qui animent Supélec pour réussir, ses organes de gouvernance, les personnels, les élèves, les diplômés, notamment l'amicale des anciens et la fondation. Et puis enfin, les entreprises partenaires de Supélec ont le soutien plus que jamais indispensable, malgré les difficultés et le contexte économique que nous connaissons, car toutes, sans exception, nous ont confirmé que le projet central Supélec faisait sens pour elles et qu'il allait en outre dans le sens de l'histoire. Monsieur le directeur, chers partenaires, chers collègues, chers amis, vous me donnez l'extraordinaire opportunité de conduire un projet auquel je crois profondément et qui construit ici en France, à GIF, à Rennes et à Metz, au sein de l'Université de Paris-Saclay, un acteur de visibilité mondiale. Vous pouvez compter sur mon enthousiasme, sur mon engagement et sur ma détermination. Mais c'est ensemble que nous allons réussir, en France bien sûr, mais aussi à Pékin, à Singapour, à Casablanca et bientôt en Inde, je l'espère, à Hyderabad. Merci, cher Alain, de ton amitié, de tout ce que tu as fait pour Supélec et pour Centrale Supélec. Merci à vous tous de votre soutien et de votre confiance. Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents et directeurs, cher Alain Bravo, cher Hervé Dioser, mesdames, messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui aurait souhaité vraiment pouvoir assister à cette cérémonie de passation de pouvoir, pour manifester à la fois son intérêt pour le projet Centrale Supélec et aussi la très grande estime dans laquelle elle tient les deux directeurs concernés. C'est avec plaisir que je la représente ici et que je m'exprimerai en son nom, en y ajoutant peut-être quelques éléments personnels. J'ai été en effet administrateur de Supélec à plusieurs reprises, représentant d'État, avec Bernard Principe-Bonneau, et
surtout avec Jean-Jacques Duby, que j'ai retrouvé par ailleurs dans d'autres fonctions. Et puis, j'ai un peu participé, cela ne me rajeunit guère, au processus de création qui aboutit au centre à l'arrivée de Spélec à Metz. Et puis, j'ai l'habitude de m'attacher, je suis fidèle en cela à l'affection sociétaliste qu'a décrite Alain Bravo, aux établissements où je suis administrateur, mon principe étant qu'un représentant de l'État est là pour aider et non avant tout pour contrôler ou pour interdire. Mes relations avec l'école centrale ont été, je le reconnais, plus épisodiques et plus compliquées à l'occasion du renouvellement d'un directeur, mais je n'ai dit l'autre pas. Ce passage de témoin est un passage un peu particulier, même exceptionnel, puisqu'il se fait dans le cadre du très beau projet de création d'un grand établissement central supérieur, initié par Jacques Bravo et par Eve Biosser, mais je sais que Jean-Jacques Duby y avait pensé, et dont la nomination d'Hervé Josser, qui cumule les deux établissements, est une première étape significative de ce qui doit devenir un fleuron de notre enseignement supérieur technologique. C'est aussi un projet exemplaire par la méthode, conforme à ce qui est l'esprit de la loi que vient de voter le Parlement, puisque c'est un projet qui émane des établissements, qui a été construit en leur sein, qui est porté par leurs dirigeants, débattu dans leurs instances au sein des établissements, et pour lesquels le ministère joue un rôle de conseil, de soutien et d'appui à l'écoute des établissements. Telle est notre philosophie vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, et avoir parfois la pratique d'autres ministères tutelles de grandes écoles, je pense que les écoles qui craignent la co-tutelle prévue par la loi de 2013 et donc la venue de l'enseignement supérieur n'ont pas de raison d'avoir. Nous sommes favorables à ce projet et nous l'avons effectivement soutenu, notamment en faisant adopter au Parlement des amendements facilitant de régler la situation des personnels. Nous sommes favorables à ce projet car ce n'est pas une absorption forcément réductrice d'un établissement par un autre, mais une véritable fusion qui conserve les spécificités et les points forts de chacun des établissements, finalement assez proches de l'autre, bien sûr par leur concours commun, mais aussi et surtout par leur tradition d'école en phase avec leur monde économique et industriel au-delà de leurs différences de statut. J'ai en fait constaté une seule différence. Centrale, sauf peut-être la première fois dans le cadre de loi récente, n'a eu des directeurs tous anciens élèves. Supélec n'a eu des directeurs dont aucun n'était des anciens élèves. Je ne sais pas comment interpréter cette différence, mais nous sommes persuadés que les partenaires industriels de Supélec, les personnels de Supélec, les élèves et anciens élèves de Supélec trouveront toute leur place dans nos établissements et s'y sortiront bien, et nous ferons en sorte de favoriser cette symbiose autant que nous pouvons. Nous sommes dans une cérémonie de passage de témoins, et jamais le terme ne paraît aussi bien choisi que dans le cas d'Alain Bravo et d'Hervé Biosser. Tout leur parcours, que je ne détaillerai pas, me paraît placé sous le signe de la mobilité du passage entre plusieurs mondes. Concorde technique de l'État, monde de l'entreprise, l'établissement d'enseignement supérieur pour Alain Bravo, monde de l'entreprise et également direction d'établissement de l'Hervé Biosser. Tous deux ont pris des responsabilités collectives dans les conférences de chefs d'établissement, pas la même, ou dans des organismes comme l'ANRT. Tous deux ont manifesté une grande présence à l'Europe et à l'international. Tous deux, enfin, ont été convaincus et ont été des acteurs moteurs du rapprochement entre écoles et universités, notamment dans le projet Saclay, dont beaucoup des acteurs sont là aujourd'hui, et je salue notamment la présence de Dominique Vernet. Et il faut admirer le courage et l'énergie d'Hervé Biosser, qui mène à la fois la fusion des deux écoles, tout en s'engageant fortement dans Saclay et en préparant son futur déménagement. Peut-être me permettrez-vous enfin de dire quelques mots personnels. Je connais Alain Bravo depuis 2005 ou 2006, je le sais exactement.
car nous nous sommes croisés à plusieurs reprises au cours des différents travaux organisés dans le cadre de cette belle entreprise qui était Futuris, dont il a été une des chevilles ouvrières, mais je dois dire que j'ai l'impression de le connaître depuis bien plus longtemps, car j'étais très proche collaborateur de son frère, alors directeur du ministère, et je crois qu'il y a indubitablement un air de famille. Je connais depuis moins longtemps Hervé Diocel. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans des réunions sur la loi. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais j'ai su apprécier très vite sa combativité, son énergie et sa force de conviction. Merci à Alain pour tout ce qu'il a accompli et ce qu'il accomplira dans le cadre de l'Académie des technologies. Et tous mes voeux à Hervé Diocel de réussir dans ses nouvelles missions. Merci à tous.